Bonjour Yann, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica. Alors dites-nous Yann, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Aujourd'hui, j'interviens depuis 4 ans et demi. On a démarré nos activités dans une société de services informatiques basée en région bordelaise. On accompagne les grands comptes bordelais et puis aujourd'hui un petit peu plus partout, plus largement en France, autour de la transformation digitale. Donc tout ce qui va être des prestations de développement, d'ingénierie, de pilotage, du UX/UI, d'accompagnement de nos clients à la transformation de leurs projets, de leurs produits, de leurs processus, de leurs outils informatiques et web notamment. Voilà. Alors, juste j'essaye de comprendre, excusez-moi. Donnez-moi des exemples un peu concrets, par exemple, de clients que vous avez pu aider, quel est voilà, qu'est-ce que vous apportez, comment vous les aidez? Un exemple typique pour vous aider à comprendre un petit peu nos interventions, on intervient typiquement pour un acteur comme la Banque Postale. Aujourd'hui, on les accompagne dans le façonnage et la construction de ce qu'on appelle un data lake, un entrepôt de données OK. qui agrège toutes les informations, les comportements des comptes utilisateurs, les comportements, les mouvements financiers, pour les aider à identifier des comportements d'utilisateurs qui sont ou des comportements de clients qui sont D'accord. potentiellement frauduleux. Donc, on intervient sur ce genre de sujet. Donc, on les aide à mettre en place toute la plateforme technique de stockage de ces informations-là, de ces données-là, alimentation des données. On vient récupérer les données de tous les acteurs et de tous les partenaires de la banque postale, de cet acteur bancaire, D'accord. pour récupérer ces informations-là, récupérer ce gisement de données. Et on intervient également sur des rôles de ce qu'on appelle des data scientists, des personnes qui vont travailler ces données-là et en extraire des comportements avec des techniques d'algorithmie ou d'intelligence artificielle, par exemple. Voilà, ça c'est un premier volet d'intervention. On va D'accord. intervenir de manière un peu plus classique sur l'accompagnement de nos clients dans le développement d'applications web, Ouais. de sites internet comme Cdiscount par exemple, où on a des OK. consultants qui interviennent sur certains pans de l'applicatif Cdiscount, et on va avoir des consultants qui interviennent sur la conception et le développement d'applications mobiles pour les plateformes D'accord. iOS et Android Ouais. pourrait tout à fait télécharger sur les stores qu'on utilise assez régulièrement aujourd'hui. Voilà. Donc vous avez un métier finalement assez large. Vous allez jusqu'à la Oui. salle blanche et tout ça, ou ça c'est Alors, votre métier? les métiers d'infrastructure, tout ce qui est ce que vous appelez la salle blanche, tout ce qui va être infrastructure et administration, système et réseau, c'est un métier à part qu'on OK. adresse aujourd'hui, mais par le levier du partenariat. Ouais, On a des partenariat. partenaires qui nous permettent d'adresser à ça, d'adresser ces activités-là. Aujourd'hui, on est vraiment sur la partie ingénierie, conception, construction des Ouais. solutions logicielles et pilotage des mises en Ah, œuvre. Voilà. La c'est partie génial. infrastructure est globalement externalisée chez des partenaires tiers. Et alors, ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors aujourd'hui, pour mon compte, mon aventure d'entrepreneur a démarré en mai 2019. Ok, Voilà, donc c'est pas ça, vieux. c'est pas vieux, c'est assez récent. Ouais. Passé l'antériorité de ça, c'était passé d'une quinzaine d'années en tant que salarié, ça, dans des sociétés de services Ok, qui sur la faisait la région même bordelaise, chose un peu. où j'ai pu avoir la chance, effectivement, oui, qui faisait exactement la même chose, hein, effectivement, où j'ai pu la chance de jouer le rôle de consultant, où j'ai été moi-même développeur, chef de projet, directeur de projet, mais aussi ingénieur d'affaires et aussi directeur d'agence. Et j'ai pu, du coup, reprendre et répliquer tout ce que j'ai pu apprendre depuis mes 15 premières années professionnelles dans le cadre de cette aventure depuis 4 ans et demi, voilà, sur la Waouh. région bordelaise. Et alors justement, qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, bon, bah maintenant je monte ma boîte. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui a Quelque fait que chose tout d'un de coup, très simple. vous avez franchi le pas, quoi? Quelque chose de très simple, Jessica, qui va certainement vous parler. J'étais directeur d'agence d'une grosse société de services en région bordelaise. On était quelque part en 2018. Je suis arrivé à l'agence comme tous les matins. Je suis monté dans l'ascenseur comme tous les matins. Il y a une personne qui est arrivée en même temps que moi, une personne que je ne connais pas, qui est montée dans l'ascenseur et qui m'a dit, excusez-moi, monsieur, je cherche une personne dans votre société. Ok, très bien. Parfait, je vais vous accompagner. Mais j'ai appris dans l'ascenseur, en discutant avec cette personne-là, que cette personne démarrait dans mes équipes. Je ne Wow. connaissais pas son histoire, je ne connaissais pas son nom, son prénom, son pourquoi, ses D'accord. ambitions. Voilà, j'ai appris dans l'ascenseur que c'était une personne qui rejoignait mes équipes. Alors, on était effectivement, ce qui n'est pas choquant, mais on était potentiellement une centaine de consultants. Donc, OK. Ouais. on était clairement passé à travers les mailles du filet. Et je vous avoue que bon, j'ai accompagné cette personne-là et je l'ai mis dans les mains de mes équipes. Je me suis enfermé dans mon bureau. Je me suis dit, Yann, il y a quelque chose qui ne te plaît pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, Wow. c'est pas moi, c'est pas moi, c'est plus moi. Voilà. Moi, j'ai besoin d'être
ce qui m'anime dans mon métier aujourd'hui, c'est d'être au contact des clients, au contact des consultants, m'assurer que on est dans une livraison de valeur, qu'on va apporter de la valeur à nos clients, mais qu'on va aussi et surtout apporter de la valeur à nos consultants. On va les aider à grandir. Hein. Le concept, il est là, hein, d'aider à grandir nos consultants, de leur apporter les bonnes opportunités, les bons projets pour les aider à devenir plus grands et meilleurs. C'est ça, c'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui. Et effectivement, ce phénomène de rencontrer une personne qui démarre dans nos équipes sans savoir pourquoi, qui elle est, voilà, ça a été la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis, oui, bien sûr, j'étais dans une démarche de chercher une excuse peut-être pour démarrer le monde de l'entrepreneuriat et démarrer mon aventure. Mais voilà, j'ai quitté ma société quelques mois plus tard pour démarrer cette initiative autour de mon propre cabinet de conseil que je peux actuellement façonner comme j'ai envie de le façonner, avec cette dimension taille humaine. Tourner vers les collaborateurs, vers les consultants pour leur amener du sens, pour leur amener de l'accompagnement, pour les aider à grandir dans une démarche ultra qualité, hein, aussi bien vers les clients que vers les consultants. Voilà. C'est beau parce que ça fait quoi? Ça fait 4 ans. Vous arrivez sur Quatre votre ans, cabinet et puis on a quatrième exercice fiscal, ouais, tout il y a une belle réussite parce que d'arriver à travailler avec les grands comptes, arriver à. Voilà, il y a des belles valeurs humaines que vous transmettez à travers votre discours qui est hyper inspirant. Donc merci. Merci. Non, mais ça, voilà, le monde, c'est vrai que. Alors, je suis pas tellement connectée au monde de l'informatique, tout ce qui est ingénierie, etc. Et donc, voilà, de voir que là aussi, il y a un besoin d'humain et un besoin de connexion qui est hyper important. Voilà, l'histoire est intéressante en tout cas. Alors, justement, qui vous recherchez en client? Qui sont vos meilleurs clients? Qui aujourd'hui est à même de faire grandir vos consultants? Alors aujourd'hui, nos clients, on adresse aujourd'hui des clients bancaires, des clients retail, des TPE, pardon, et PME bordelaises. Donc on va être sur différentes typologies de clients et d'acteurs avec des tailles différentes, et aussi bien des sociétés de services aussi, des clients finaux et des sociétés de services qu'on adresse. Donc on adresse une multitude de typologies de clients. Un élément qui va être non négociable pour nous, c'est la qualité des environnements projet, la notion de bienveillance, d'agilité. L'agilité veut dire, dans le contexte d'un projet informatique, une hiérarchie plate avec des équipes ultra communicantes et ultra dans la collaboration. On va être aussi très attentif à la qualité des environnements projet, des stacks techniques, des outils logiciels qui vont être manipulés par nos consultants pour s'assurer qu'ils sont sur des choses qui sont porteuses, modernes, qui sont au goût du jour, qui vont leur permettre de grandir. Voilà. Donc nos clients, c'est tout type de clients qui vont respecter ce cahier des charges, si on peut se permettre. C'est un peu ambitieux de dire qu'on impose un cahier des charges à nos clients, mais on est assez vigilant, attentif à la qualité des environnements projets sur ces aspects-là, la bienveillance, la qualité des environnements et la possibilité à cette question qu'on se pose, est-ce que nos consultants vont grandir, vont pouvoir proposer des initiatives, vont pouvoir apporter encore plus de valeur aux clients. Voilà. Est-ce qu'ils auront une marge de manœuvre et de proposition? Voilà. Alors, on est en plein à la croisée des chemins là avec l'IA, avec tout ce qui se passe sur l'IA. On doit vous en parler, mais toutes les 5 minutes en fait. Quel est l'impact aujourd'hui sur vos projets, sur votre organisation, sur ce que vous proposez? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui vous impacte? Enfin voilà, moi je suis complètement dehors encore, mais quel est l'impact que ça a aujourd'hui sur votre environnement? Alors, l'impact de l'IA aujourd'hui, il a deux niveaux. Il va être au niveau des opportunités commerciales, business. Il y a la plupart des grands acteurs aujourd'hui en France, mais dans le monde, je pense, qui se tournent vers la data et cet aspect de l'intelligence artificielle, d'arriver à valoriser, d'amener de l'IA générative. Donc, il y a une multitude de nouveaux projets qui émergent depuis l'arrivée de ChatGPT, mais un tout petit peu antérieur à ça. On voit énormément d'initiatives autour de la data lake, des Ça IA, doit du être machine passionnant en learning, fait, et parce qui est que vraiment accéléré, ouais, tout à fait accéléré, d'amener du prédictif, de l'analyse de risque, donc choses qui sont passionnantes. Donc, il y a une augmentation très forte du nombre de projets, d'initiatives autour de la data. Et après, dans les usages, dans la manière de travailler, l'IA aussi va fortement modifier et influencer la manière dont nos consultants vont travailler. C'est-à-dire que nos consultants, des développeurs, ont de plus en plus recours à de l'IA
Bien pour sûr. les aider, les soutenir dans leurs actions de développement, de testing, de documentation, de relecture de code. Voilà, ça devient quelque chose d'assez usuel. Donc, on a une augmentation de la productivité des développeurs et de nos Ouais. consultants grâce à ces outils qui sont aujourd'hui de plus en plus standards et complètement banalisés ou presque généralisés, en tout cas dans les métiers de la tech. Voilà, clairement. Ah, mais ça doit Donc, arriver. l'IA est effectivement le grand virage technologique, vraiment une Qui va technologie de être. rupture qui Alors, change et j'allais vous qui. poser la question à quoi ressemble l'avenir et quels sont vos principaux challenges? Je vous laisse y répondre, mais je pense que l'IA doit être dedans, non? L'IA est dedans, bien sûr. On a l'ambition en 2024, on va avoir enfin nos locaux. On va avoir des locaux à nous, en propre, en 2024. Donc, Là, on vous va êtes pouvoir. combien là? Là, aujourd'hui, on parle de missions. On a 25 missions. Aujourd'hui, on héberge 25 missions et la moitié sont des internes. Donc, on a à peu près 11 salariés aujourd'hui. Quand vous dites mission, c'est développement en parallèle par rapport à des clients ou enfin qui vous pouvez Dans être. le modèle économique de notre société, c'est un modèle de société de service. Donc, OK. on contractualise avec un talent, une ressource, un consultant qui soit OK. interne ou freelance, et on le met en relation pour un projet, un engagement de moyens. Il va réaliser pour le compte d'un client un projet. Donc, on est effectivement sur cette mise en relation. Ouais, d'accord. J'ai perdu le fil de la question. Donc vous avez 25 missions, donc Oui, pour 25 missions, répondre en ouais, gros. tout à fait, Voilà. tout à fait. Vous me parliez de la question Le challenge et des l'avenir. À challenges, quoi ressemble voilà, c'est ça, l'avenir? des challenges. Vous voyez, tellement il y en a. Les challenges, ils sont autour de l'IA, bien sûr, qu'il va rien avoir. Ça va être, on va développer et installer un incubateur, une démarche de R&D, un lab interne dans nos équipes à partir de Wow. 2024. OK. Donc, on va amener nos consultants à travailler. Et à se concentrer sur des outils autour de l'IA pour en tirer encore plus profit, pouvoir proposer sous forme d'application, je dirais, les grands avantages de l'IA à monsieur tout le monde, aux personnes qui ne sont pas en capacité d'utiliser l'IA tout seul, hein. Bien sûr. Donc, ça, c'est un challenge très important pour nous autour de l'IA, ouais, clairement. Mais quelque chose qui devient aujourd'hui standard, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisation de l'IA sur toutes nos activités, qu'elles soient aussi bien documentaires, commerciales, production, gestion RH, sont des choses qui sont standards, banalisées, usuelles. Voilà. On en tire une vraie accélération, une vraie capacité à aller plus vite. Ouais. Et c'est un outil qui devient indispensable aujourd'hui, ouais, vraiment. Ouais, et je pense que enfin, dans 2 ans, Ça il y aura devient tellement vite. d'impact et d'implication à tous les niveaux et surtout, vous serez les premiers, en fait, vous, à le voir et à le vivre dans votre métier, je pense, Tout à hein. fait, Donc, oui. alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Le plus grand, c'est difficile de répondre à cette question, vraiment, il y en a plein. C'est pourquoi j'ai décidé de partir dans cette aventure-là. Il y a eu ce phénomène de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et je l'ai expliqué tout à l'heure, mais cette ambition de pouvoir continuer à apprendre. Je Ouais. constatais depuis quelques mois, peut-être quelques années, une courbe d'apprentissage qui devenait plate, un peu moins intéressante. Je me levais le matin, je savais pertinemment les initiatives ou les projets ou les activités qui allaient être les miennes sur les prochains jours, prochaines semaines. J'avais besoin de ce renouveau. Donc, dans l'entrepreneuriat, clairement, c'était ce qui a motivé au final, hein, ce qui a motivé cette envie-là, ça a été cette envie d'apprendre, ce besoin d'apprendre, ce besoin de se challenger, ce besoin de s'exposer au risque. Voilà. Je suis servi depuis 4 ans et demi, j'ai appris énormément de choses, beaucoup de choses. Si je dois vraiment garder un élément premier, c'est qu'il y a plein de choses de possibles, en fait. Il faut juste s'autoriser à tester, à se mettre en zone de difficulté pour apprendre. En fait, on a plein de ressources qui apparaissent. Et s'exposer, s'autoriser à ne plus avoir peur de l'échec, s'autoriser à tester. Ouais. Presque un devoir aujourd'hui pour nous. Hein. C'est ce que je diffuse auprès de mes équipes administratives. On a le devoir d'essayer. On a le devoir de se tromper. On a le devoir d'essayer. Il faut avancer. Il faut prototyper en C'est tellement pas permanence. français, ça. Non, bien sûr, c'est tellement pas pensé. Vous avez raison de le dire, hein. Clairement, clairement. Je pense que dans mon parcours personnel et professionnel, j'ai une exposition au monde anglo-saxon qui a été assez forte. J'ai eu la chance de pouvoir être coach agile assez tôt en France, en 2009-2010. J'étais parmi les précurseurs en Ah oui, France pour apporter ces précurseur, ouais. méthodes-là, des méthodes anglo-saxonnes de pilotage de projet qui prenaient la hiérarchie plate, la suppression du chef de projet, la collaboration,
la transparence, cette logique de inspect and adapt qu'on voit en agilité, qui est on teste quelque chose, on l'adapte, on l'ajuste et on va essayer de faire mieux, mais on est dans cette démarche d'amélioration continue qui est pour Ouais, moi juste sûr. non négociable. Et effectivement, vous avez raison de le dire, on n'est pas dans une culture française, on n'est pas dans une démarche française, on est dans une démarche anglo-saxonne, mais qui est aujourd'hui qui est tellement épanouissante, Ah tellement bah, c'est clair. les Voilà. anglo-saxons parlent de fun, c'est fun d'être dans cette démarche-là, on Ah bah apprend bien sûr, parce énormément. qu'on grandit ensemble, on apprend Exactement, ensemble, on ouais, fait des tout à erreurs fait. ensemble et c'est hyper rassurant de se dire, je suis pas tout seul et je suis pas celui qui va être mis sur la sellette parce que j'ai fait quelque chose de mal. Donc ouais, Ouais, c'est ça, super. s'autoriser à se tromper, Et ce qui est s'autoriser. génial, c'est que vous arrivez à mettre en place ces valeurs avec la création de votre entreprise et avec tout ce que vous avez vu hein, pour parfaire ça et Ouais, transmettre tout à à vos fait. équipes. Donc bravo, super. Comment je vois moi source aujourd'hui, je vois, et ça c'est quelque chose, j'utilise vraiment ces mots-là, c'est il faut, j'utilise ces mots-là auprès de mes équipes, il faut vraiment voir source comme un terrain d'expérimentation. Essayer des choses, proposer des choses, c'est dans cette démarche-là qu'on va grandir, c'est dans cette initiative-là qu'on va pouvoir grandir et apprendre. Voilà. Sans obligation de résultat, mais une obligation d'essayer, de proposer des choses et d'être dans l'initiative. C'est vraiment quelque chose que j'essaye d'instaurer auprès de mes équipes et qui fonctionne bien. Clairement, aujourd'hui, j'ai des profils qui sont plutôt jeunes avec moi, administratifs notamment. Ils réagissent super bien à ce genre de possibilités. Voilà. C'est Et top. on a des choses qui sont hyper intéressantes, qui apparaissent, des événements super intéressants. J'ai une alternante qui m'a proposé spontanément un outil de gestion des candidats. Elle a fait elle-même la veille techno. Un jour, elle est arrivée, elle m'a dit, Yann, il faut que je te présente quelque chose. Elle m'a présenté une initiative projet, par rapport à une solution à mettre en œuvre. Et effectivement, elle a Génial ça. proposé ça par elle-même. Et ça, c'est chouette. Bah Là, ça, quand on c'est a ça. top. C'est comme ça que l'entreprise, finalement, arrive à être le plus performante. C'est quand ses Ouais. salariés apportent de l'innovation, apportent des idées. Parce que quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas y arriver tout seul. Donc, Non, non, tout à fait. Ouais. Ça, bravo à vous, en tout cas. c'est un des grands bénéfices de l'agilité, la méthode, la conscience, le consensus, la force du collectif. Quand on a touché du doigt ce phénomène-là et qu'on est convaincu que c'est effectivement quelque chose qui est juste non négociable, qui marche systématiquement, on a toujours raison de faire confiance au collectif plutôt que Ah oui. d'être en individualité, ouais, Ah, clairement. ça, on est d'accord que de toute façon. Mais on se heurte à des réflexes français, Bah, francophones. on est dans une société assez individualiste en France. Hein. Oui, Oui, clairement. ouais, on est beaucoup Tout dans la réussite individuelle et non collective. Oui, Donc, il y a, ouais, tout à bah, y a fait. des gens qui vont l'entendre et d'autres pas. Après, bon, bah, Ouais. chacun sait. Enfin, de toute façon, on ne va pas convertir les gens. Hein. On ne va pas les changer. Mais bon, Et non, après, on ne va pas. chacun ses histoires. Hein. Tout à fait. En tout cas, Yann, merci pour votre temps. Merci pour tous ces échanges, de nous inspirer. J'ai hâte de savoir ce que va devenir Source d'ici 5 ans, parce que je pense que votre monde va tellement évoluer, va tellement changer que voilà, enfin, il y a tellement de bouleversements qu'on va vivre que ça va être passionnant. Donc, Tout hâte de vous à fait. suivre, en tout cas. Très bien. Merci, en tout cas, et à très bientôt. Merci Jessica, merci à vous, au revoir.